véritable success story de la radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Oui, bonjour les grandes gueules. Le RPG Arc-en-Ciel est le parti le mieux organisé, donc le troisième mandat ou pas. Le RPG reste le plus grand parti en Guinée. C'est Citanium qui nous envoie ce message. Alpha Moustamaka Djabi aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Lamine, à toute l'équipe. Est-ce que vous voyez en Selou un homme qui peut trembler sous pouvoir contre un tel mouvement? Le troisième mandat du président, il pose la question ce soir sur Espace TV. Passons à autre chose. Nous fermons seulement les yeux et voir l'UFDG danser, c'est Alpha Moustamaka Djabi qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cette autre réaction. On va essayer de lire un peu plus tard. Allez-y, mon cher Moïse. La protection de nos acquis démocratiques, ce n'est pas l'apanage de l'opposition guinéenne. C'est l'apanage du peuple. Je pense qu'il ne faut pas quand même concéder seulement à un groupe de leaders en cravate, en costard, le fait de pouvoir s'occuper de choses aussi essentielles, aussi vitales pour nous. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne cette conscience. Maintenant, est-ce que l'opposition est exempte de tout reproche? Je dis non, parce que l'avènement de cette prorogation du mandat des députés, c'était quelque chose qui était prévu depuis l'installation de la première législature. Elle aurait pu sortir de ses mesquineries liées par exemple à l'organisation des communales pour en même temps forcer le pouvoir à aller dans l'organisation de la préparative des élections législatives. Mais ça n'a pas été fait. Ouais. Donc à ce rythme-là, elle est aussi coupable. Mais aussi dans certaines querelles internes liées à des discussions sur le partage des postes de responsabilité. Vous avez vu, ça fait perdre énormément de temps. Mais à chaque fois que l'opposition républicaine guinéenne en tout, de façon globale, perd du temps, le pouvoir ne leur demande jamais « faites un peu vite, pressez-vous », parce que c'est à son avantage. Moi, j'estime que, encore une fois, je ne suis pas résigné, parce que je sais que nous sommes une sorte de peuple observateur, mais en même temps, il n'y a pas cette homogénéité dont vous parlez. Il y a quelques... Oui, c'est pas homogène, surtout que le déclic peut aller de n'importe quoi. Mmh. Ça peut être lié seulement à un truc aussi banal que le pain. Bien. Ça peut être lié à un truc aussi banal que l'électricité qui manque dans un quartier. Mais je vous dis, mais n'attendons pas de croire qu'il y a quelqu'un au palais de secrétariat qui va dire un jour, ben écoutez, je suis dans le troisième mandat. Merci beaucoup, Moussa. C'est le glissement qui a commencé, c'est dans ce glissement que nous sommes. Tamba. Et c'est pourquoi il faut appeler les gens à une prise de conscience. Merci beaucoup, mon cher Moïse. Allez-y. Alors, trois choses rapidement. La première, c'est en quelques secondes. Je veux dire qu'il n'y a pas de cause nationale parce qu'il n'y a même pas de nation. Définition. C'est méchant. Oui, c'est vrai. Non, il y a une nation. C'est vrai. Il n'y a pas de nation. Non. Je parle d'acception. Ben oui. Vous êtes sur les bancs des universités. Vous parlez de territoire, vous parlez de destin et vous parlez de langue. De ce point de vue, on n'a pas de nation. Je veux avancer. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux souligner, justement, c'est de dire, nous avons peut-être tous un rôle par rapport à cela. Ma plus grande inquiétude. On peut ne pas être d'accord avec ça. Mais vous allez voir, ceux qui connaissent ce domaine, ils vous le diront. Merci. De l'autre côté, Lamine, je termine en quelques secondes. Ma plus grande honte, ce sont les intellectuels qui vont se mettre derrière la loi et qui vont nous brandir la loi. Face aux journalistes, vous serez bras croisés, peut-être mains et pieds liés, comme enchaînés, parce qu'on va vous sortir des textes de loi. Merci. Qui vont dire le président de la République y a droit. Allez-y. C'est de la honte. Allez-y. Ma honte aussi, ce sont ces élites, parce que justement le peuple, ce sont ces élites qui ont le pouvoir de décision, le peuple qui a décidé de les mettre là. Mais c'est honteux de savoir que d'année en année on ne fera que parler de politique. Aujourd'hui, ce qui a commencé là, c'est jusqu'à 2020, ce qui veut dire qu'il n'y aura même pas de véritable travail ici en Guinée. On ne parlera que de politique pendant que les autres sont en train d'avancer. Nous, on a des élites qui ont étudié, qui ont fait des années, qui se vantent de leurs diplômes et autres, mais qui sont incapables de nous mettre dans une situation Merci. Où on parlerait progrès, mais plutôt des coups bas, des élections et autres. Je pense que c'est une honte. Il va falloir qu'on se pose et qu'on se pose les bonnes questions dans ce pays. Ouais, voilà. Moi, je dis que le monstre sacré, le virtuose en politique,
le virtuose en politique. Encore une fois, il a entraîné tout le monde, tous ses apprentis sorciers, tous ses élèves, il les a entraînés dans un flot dont ils n'ont eu aucune maîtrise. Et aujourd'hui, ils se retrouvent complètement pris au piège qui leur a été tendu. Ils ne peuvent que suivre le mouvement. Il a fini de faire sauter tous les verrous. Il a fini de mettre tout le monde au pas. Et vous voyez qu'il n'y a même plus de possibilité d'organiser une quelconque manifestation dans le pays. Attendez-vous, lorsque le projet va se mettre en marche, s'il y aura une mouche qui va voler, parce que tout le dispositif est là pour mater, pour étouffer. Allez-y. Le pouvoir, sachant que les débats politiques sont des débats qui sont des débats qui intéressent notamment la majorité des Guinéens, et que ce sont des débats qui malheureusement ne réunissent pas tout le monde, jouent là-dessus à outrance, nous font un travail mental. À chaque période, un nouveau élément politique lancé sur le flot et on s'en occupe. On laisse l'essentiel, on laisse l'économie, on laisse le social, on laisse l'éducation, on laisse les problèmes qui peuvent nous conduire à un développement. Des débats qui nous intéressent, on les met de côté, on s'accroche à l'aspect politique de la chose. Les politiciens eux-mêmes jouent là-dessus. Au sein de cette opposition, l'opposition républicaine et les autres, on ne s'entend pas, on fait semblant d'être d'accord, mais derrière on se fait des coups bas, on se poignarde. On discute le matin, le soir, d'autres vont à Sécoutouréa pour rendre compte au président de la République. Et lui, il utilise ses arguments pour les affaiblir encore plus. Ma foi, je me dis que tant que cette lutte dont nous parlons, c'est-à-dire cette lutte de troisième mandat, c'est-à-dire cette lutte politique, de cette velléité de vouloir modifier la Constitution, c'est éminemment une lutte politique. Et tant que ce sera accroché à l'aspect politique de notre vie, on n'ira nulle part. Parce que tout est fait pour qu'en Guinée, nous ne soyons pas d'accord sur tout ce qui est politique. Merci beaucoup, mon cher Roby. Merci à vous tous. Vous étiez là. Nous étions très ravis de vous servir, mesdames et messieurs. Cette réaction, justement, de Mamadi Gawara, PTS, le pauvre, oui, qui dit « Bonjour, Guirassy. Je vous suis bien, j'existe bien, et même mieux que par le passé. Seulement, je sais qu'en frapper. » Voilà. Je connais la technique aussi. Allez, prenez soin de vous. À demain.